Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Lyon Bondy Blog. Cette nouvelle émission est dédiée à la ville de Vénissieux. À la fin, vous saurez tout, du moins, je l'espère, la jeunesse du nom de la ville, l'histoire de ses débuts à aujourd'hui, l'évolution. Et pour ce faire, j'accueille aujourd'hui Jean Etévenot, journaliste, historien, écrivain et professeur d'université. Il est notamment membre de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon. Bonjour Jean Etévenot et merci pour votre présence. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver. Vénissieux est une commune française située aux portes de Lyon, plus précisément au sud. Elle est entourée par Bron, Saint-Fons, Faisin, Corbas et Saint-Priest. Avec ses 66 363 habitants, Vénissieux se classe comme la troisième ville la plus peuplée au niveau départemental après Lyon et Villeurbanne. Vénissieux se situe également au niveau du Sillon rhodanien et des plaines du pays du Velin. Cette situation géographique a été un important enjeu tout au long de l'histoire de la ville. Vénissieux est aussi connu pour son parc de 178 hectares de superficie, le parc de Paris, également par le quartier des Minguettes, le point de commencement de la marche pour l'égalité et contre le racisme, plus communément appelée marche des beurs. Après cette petite présentation, c'est l'heure de rentrer dans le vif du sujet. Et on va commencer par le début, la genèse, le nom de Vénissieux, d'où vient-il ? Eh bien, le nom de Vénissieux est une déformation d'un nom romain, gallo-romain plus précisément, c'est-à-dire que c'était la Willa d'un certain Vénitiès. Et Willa doit être pris dans le sens de domaine, c'est-à-dire c'était le domaine, donc c'était, on dirait aujourd'hui, sans doute un gros exploitant agricole, mais bon, ça c'est l'étymologie qu'on a reconstituée, cela dit, on n'a pas de renseignements sur lui. Qu'est-ce que ça montre ? Ben, ça montre tout simplement que Vénissieux, à cette époque gallo-romaine qui a été très très profitable pour toute la région autour de Lyon, à cette époque gallo-romaine, le site était déjà exploité, ce qui n'est pas étonnant, puisqu'on se trouve quand même dans un lieu, dans un ensemble qui est facile d'accès, notamment par le Rhône, même si c'est quand même pas un modèle de navigation, mais enfin les Romains savaient faire. Puis d'autre part, on est dans une plaine, dans un sillon, où culture, élevage et tout ça était assez facile. Cela dit, on a des traces quand même un petit peu plus anciennes, puisque il y a quelques années, c'était je crois en 1999, on a retrouvé la trace d'une inhumation qui remonte à peu près au début du premier millénaire avant notre ère, ce qu'on appelle l'âge du bronze final, squelette assez bien conservé, ce qui montre que comme dans toute la région, il y avait des gens qui étaient établis là. Alors, dans quelle mesure ? À cette époque, ça fait quand même il y a 3000 ans, ils étaient là en permanence, ils étaient de passage, bon, c'est difficile encore à déterminer, mais il y a eu des implantations humaines très 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 anciennes. Et puis après, ben, on va avoir un saut au Moyen-Âge, à travers le Moyen-Âge. Et justement, pendant cette époque gallo-romaine, pourquoi Vénissieux était important ? Est-ce que c'est un lien entre Vienne et Lyon ? Forcément, d'autant plus que Vienne et Lyon étaient des villes rivales. N'oublions pas que Lyon a été fondée par un lieutenant de Jules César, qui avait transplanté là des colons établis à Vienne, qui avaient été chassés par une révolte locale. Et pendant très longtemps, quand je dis pendant très longtemps, c'est pendant plusieurs siècles, il y a eu une rivalité très forte entre Vienne et Lyon. Alors, la rivalité, ça veut dire des oppositions, mais ça veut dire aussi des échanges, bien entendu. Et Vénissieux, c'est-à-dire la partie gauche du Rhône, cette fameuse rive gauche du Rhône, était évidemment un lieu de passage et aussi un lieu d'établissement. On va continuer d'analyser la suite de l'histoire de Vénissieux de façon chronologique. Donc, dès le 9e siècle, la ville a fait partie de plusieurs royaumes. D'abord celui de Bourgogne, en premier, puis sous le Saint-Empire romain germanique, puis finit par être intégré au royaume de France. Qu'est-ce qui a engendré tant de changements d'appartenance ? Est-ce que c'était un territoire convoité ?
Alors, c'est un territoire convoité, évidemment. Tout, par définition, tout territoire est convoité, hein, surtout quand ce territoire se trouve à la croisée des chemins, que c'est un endroit qui est assez, on va dire, fertile, rentable, exploitable, etc. Or, toute cette partie du Moyen-Âge, ou même on peut dire tout le Moyen-Âge, parce que le Moyen-Âge, c'est quand même une période qui s'étend sur un millier d'années, hein, n'oublions pas, eh bien, tout le Moyen-Âge, et même déjà avant ce qu'on appelle l'Antiquité tardive, c'est-à-dire avant la chute de Rome, entre l'époque gallo-romaine et le Moyen-Âge à proprement parler, eh bien, durant toute cette période, on va avoir une multitude de juridictions qui vont s'établir sur Vénitieux. Alors, quand je dis qu'elles s'établissent sur Vénitieux, eh bien, ça veut dire qu'il y a à la fois des petits seigneurs locaux, qu'on appelle même pas encore forcément des seigneurs, et puis ces seigneurs, ben ils essayent de se placer sous la protection de quelqu'un de puissant, et ça va amener des interférences qui vont être essentiellement celles, alors là nous dépassons l'an 1000, hein, qui vont être essentiellement celles de deux grandes puissances régionales, hein, qui sont la Savoie et le Dauphiné. Hein, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, quand on parle de Vénitieux, on pense au Dauphiné. Hein, on pense d'autant plus au Dauphiné que dans les armoiries de la ville de Vénitieux, il y a un superbe dauphin, hein, qui rappelle son appartenance à cette région historique. Mais il ne faut pas oublier qu'il fut un temps où Vénitieux appartenait aux États de Savoie. Alors ça paraît un peu curieux peut-être, mais il faut bien se rendre compte que les États de Savoie, ça a été quelque chose d'immense qui s'étalait de la Suisse jusqu'à la Méditerranée, et qui notamment, en ce qui concerne la région, avait énormément d'implantations dans ce qui correspond aujourd'hui au département de l'Ain et au département du Rhône, entre autres. Notamment, est-ce qu'il y avait une route, la Via Arles, je crois, qui est devenue la Nationale 7 maintenant? Oui, la Nationale 7, c'est-à-dire bon, celle qui descend, hein, vers le midi, passait effectivement par là. Alors, les voies de communication, elles ont été terrestres, elles ont été également fluviales, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on a tendance à oublier que le Rhône était un axe de communication important. Et puis, quand vous avez un site comme celui de Vénitieux qui est plat, il est évident que c'est facile à traverser. Et donc, on va arriver en 1694, Vénitieux est touché par une famine. Donc, 180 Vénitiens meurent. Est-ce que, à l'échelle nationale, est-ce que c'était inquiétant pour l'époque? Est-ce que Louis XIV en a pris conscience de cette famine? Alors, je ne connais pas la réaction que le gouvernement central a pu avoir. Nous sommes dans une période qui est marquée par les famines. Alors, quand je dis une période, c'est quand même quelque chose, hein, qui dure jusqu'à la Révolution, jusqu'en 1789. Hein, je vous rappelle qu'une des raisons de la Révolution, ça a été la crainte d'une famine. Hein, parce qu'il y avait de véritables famines, puis il y avait les craintes de famine qui étaient occasionnées par des disettes alimentaires. C'est-à-dire qu'il y avait une mauvaise récolte, et puis bon, il n'y avait plus rien à manger, etc. Alors Vénitieux, effectivement, a été touché comme tous les autres lieux de la région et même du pays. Alors, suite à cette famine, Louis XIV, par décret royal, rattache la province de la Guillotière aux Lyonnais. Et en fait, quelles conséquences ça va avoir pour le territoire vénitien? Notamment, je pense au commerce viticole, je crois. Il faut bien voir une chose, c'est que à partir du moment, c'est-à-dire le début du XIVe siècle, où le royaume de France annexe la ville de Lyon, car jusque-là, Lyon n'en faisait pas partie. Mais à partir du moment où le Lyonnais est intégré au royaume de France, la suite logique, c'est d'y agréger tous les environs. Alors ça se fait en général par petites avancées, par des accords,
pas par des conquêtes, parce qu'il y a plus le temps des conquêtes est fini. C'est pas comme ça qu'on avance, surtout dans notre région. Et le Lyonnais qui est donc parti de la France, du royaume de France, depuis Philippe le Bel, le Lyonnais s'efforce de s'implanter sur la rive gauche du Rhône. Or, la rive gauche du Rhône, qu'est-ce que c'est? La rive gauche du Rhône, c'est le Dauphiné. À partir du moment où la Savoie en est éliminée relativement tard, hein, puisque c'est en 1355 que le site de Vénissieux passe définitivement de la Savoie au Dauphiné. Parce que, comme je l'indiquais tout à l'heure, hein, la Savoie était présente. Et alors, comment ça se passe? Ben, ça se passe par un échange. Hein, c'est-à-dire que le Dauphiné possédait des terres tout proches de la Suisse, dans le nord de la Haute-Savoie actuelle, le Faucigny. Eh bien, le Faucigny est échangé, le Faucigny va à la Savoie, et en contrepartie, la région vénitienne va au Dauphiné. Donc, nous sommes en terre dauphinoise, et on va rester en terre dauphinoise avec des hauts et des bas, et en particulier, vous avez cité Louis XIV, mais on va avoir le même problème qui se pose à l'époque de la Révolution, et durant tout le XIXe siècle, jusqu'au rattachement s'opère lorsque le 2 mars 1852, la rive gauche du Rhône, et en particulier Vénissieux, est cette fois définitivement enlevée à ce qui est devenu le département de l'Isère, c'est-à-dire l'ancien Dauphiné, pour être intégrée au Rhône. Hein, c'est vraiment un grignotage qui s'est fait petit à petit. Par exemple, à l'époque de la Révolution, on n'arrive pas à savoir dans quelle mesure la Guillotière, Vénissieux et tout ça faisaient ou non partie du département de Rhône-et-Loire, puis du département du Rhône. Ça varie, ça bouge, etc. Mais évidemment, la logique, c'est que la France, d'abord la France monarchique, puis la France impériale et républicaine, s'avance de plus en plus sur l'Est, c'est-à-dire sur la rive gauche du Rhône. Et c'est ainsi que, donc, en 1852, Vénissieux est rattaché au département du Rhône. Et je vous fais observer que c'est le même texte, c'est pris par celui qui n'est pas encore Napoléon III, qui est toujours président de la République. C'est donc le 2 mars 1852. C'est aussi le rattachement des faubourgs, c'est-à-dire des communes indépendantes de Vez, de la Croix-Rousse et de la Guillotière, à la ville de Lyon. On a donc un mouvement. Certaines parties sont directement intégrés dans Lyon, d'autres sont intégrés dans le département du Rhône. Et puis l'autre mouvement important qui s'effectue, c'est un petit peu plus tard, c'est sous la Troisième République, en 1888, lorsqu'une partie de Vénissieux devient une commune indépendante sous le nom de Saint-Fons. Alors justement, on va revenir sur l'histoire de Louis XIV. Il y a plein de quartiers qui vont être créés grâce à ça. Il y a le quartier notamment du Moulin à Vent qui va permettre de développer la ville de Vénissieux. Et surtout, comme je le disais, le commerce viticole. Parce que alors, il faut savoir que le vin est 3 fois moins cher à Vénissieux qu'à Lyon. Oui, il est moins cher. C'est une question de taxes. C'est une question de taxe, et d'ailleurs c'est ce qui explique aussi que de l'autre côté du Rhône, c'est-à-dire en allant au-delà de la Croix-Rousse, c'est-à-dire vers la Dombes et tout ça, eh bien il y avait des exemptions de taxes qui existaient, alors qu'à Lyon, au contraire, c'était extrêmement important. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que le vin, il y en avait de partout à l'époque. C'était indispensable. Pourquoi? Parce que on peut dire que le français a toujours aimé picoler, ça c'est absolument sûr. Et puis le vin était quelque chose d'indispensable. Alors c'était de la piquette, pas se faire d'illusions. Il y en a quelques-uns qui étaient pas mauvais.
On a des noms de crues même à la cour de Louis XIV, justement, pour évoquer à nouveau le roi Soleil. Mais on cultivait du vin de partout, et c'était valable aussi, d'ailleurs, de l'autre côté du Rhône. Je pense, par exemple, à Pierre Bénite, hein, à Pierre Bénite, où il y a d'ailleurs une exposition qui se tient actuellement depuis 2 semaines et qui montre à une époque, Pierre Bénite, c'était essentiellement de la viticulture. Et puis après, la viticulture tombe. Pourquoi ? C'est la crise du phylloxéra qui ravage toutes les vignes en France dans la seconde moitié du 19e siècle. Et ce sera remplacé par le maraîchage, etc. Et on va avoir un petit peu le même phénomène qui se produit partout. Mais Vénissieux a été un centre viticole, mais j'ai presque envie de dire comme tout le monde. Alors peut-être que Vénissieux était avantagé parce que le sol semble plutôt favorable du point de vue géographique, du point de vue géologique, mais de toute façon, il y avait du vin de partout. Je rappelle aussi, parce que ça c'est quelque chose qu'on n'a plus du tout en tête maintenant, que le vin était indispensable, notamment, et c'est pas simplement un détail, pour la messe, parce que dans la messe, dans la messe catholique, il y a la consécration du vin. Donc il faut avoir du vin. Et à cette époque, c'est-à-dire jusqu'à la Révolution, le vin se déplace très très peu, même s'il y avait quelques barriques de mauvais Beaujolais qui remontaient un peu plus haut, c'était toujours des productions locales. Donc il fallait avoir du vin, à Vénissieux comme ailleurs. Il y a plein de communes qui vont être rattachées en 1852 à Lyon, notamment la Guillotière, la Croix-Rousse, Vèze. Et donc, Vénissieux fait partie de l'Isère, mais va basculer dans le Rhône, à ce moment-là. Oui, tout à fait. Et comment ça se fait, ce rattachement au Rhône? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Ben, alors, il y avait eu des tentatives effectuées à l'époque de la Révolution. Et puis, ces tentatives, ça n'avait finalement pas abouti. On avait un peu gelé la situation, et c'est à l'époque où Louis-Napoléon, le futur Napoléon III, est au pouvoir, les choses sont définitivement arrêtées. Pourquoi ? Parce que nous sommes au milieu du 19e siècle, nous avons entre autres une industrialisation qui se développe énormément, et donc il faut de nouveaux territoires, et Lyon a besoin de s'agrandir, c'est-à-dire que Lyon franchit le Rhône, elle s'établit sur la rive gauche. Alors cette rive gauche, elle était déjà occupée, mais c'était très très peu, que ce soit Vénissieux ou ailleurs, c'était des faubourgs, c'était des petites communes, c'est pas bon. Maintenant, on a besoin d'espace pour loger les gens. Dans un premier temps, pour loger les gens, et dans un deuxième qui vient très très vite, pour établir de nouvelles industries. C'est ce qui va amener le développement, notamment de la chimie, d'où le couloir de la chimie actuelle. Alors justement, belle transition, parce que je vais vous parler de ça. En fait, pourquoi, en France, on n'industrialise pas à l'ouest des villes, mais plutôt à l'est? Est-ce qu'il y a une histoire de vent dominant, je crois? C'est surtout une question d'accessibilité. Vous savez, aujourd'hui, moi, ça m'amuse, entre guillemets, de voir tous les gens qui travaillent à Lyon et qui, le soir, retournent dans leur maison de l'Ouest lyonnais, mais ça sillonne, ça tourne, c'est les monts du Lyonnais, c'est quand même beaucoup moins facile d'accès. C'est moins facile d'accès, ça veut dire aussi que c'est moins facile pour établir des usines, parce que au 19e siècle, l'industrialisation dont j'ai parlé se traduit par la construction de très grands ensembles. Et évidemment, il va y avoir, mais alors là, nous arrivons au 20e siècle, Vénissieux va être l'exemple même de construction d'un grand ensemble avec Berliet, avec Marius Berliet. Il fallait de la place. Il fallait de la place. Et Marius Berliet qui commence à travailler... Ça, c'est en 1915 que Berliet va s'implanter.
Il était déjà implanté avant, mais c'est vrai qu'en 1915, pendant la Grande Guerre, Berliet établit ce qu'on va appeler la cité Berliet, parce que il a eu le flair d'acheter des terrains. Hein, on dit en général Montplaisir, mais c'est à la fois Lyon et Vénissieux. Ah, on va revenir sur un personnage quand même qui est assez important. Il y a son nom dans toutes les grandes rues, toutes les avenues. Je crois que c'est un monsieur qui s'appelle Francis de Pressensé. Oui, oui. Alors lui, il était contre que Vénissieux rejoigne Lyon, en fait. Et pourquoi ce choix? Parce qu'il était député aussi de Vénissieux. Oui, alors Pressensé, c'est quand même un personnage important au niveau national. Il incarne tout à fait le radicalisme de la Troisième République, hein, ce qui permet de comprendre qu'il y a un peu partout en France des artères, des rues, des avenues qui portent son nom. Et Pressensé appartient à ces gens, à cette catégorie de gens qui veulent maintenir l'autonomie de l'endroit d'où ils sont nés ou dont ils sont les élus. Parce qu'il faut bien voir que le mouvement qui se développe à partir du transfert de Vénissieux du département de l'Isère au département du Rhône en 1852, mais qui avait déjà eu, comme on l'a vu tout à l'heure, des prémices, aussi bien à l'époque de la Révolution qu'à l'époque de Louis XIV, ce mouvement peut apparaître comme bénéfique pour le développement de ces lieux, mais en même temps, c'est un renforcement de ce fameux jacobinisme français, c'est-à-dire de cette centralisation qui veut toujours tout contrôler en diminuant les pouvoirs locaux. C'est comme ça que la France s'est faite. La France monarchique en 1000 ans, elle s'est faite en agrégeant petit à petit des morceaux, mais en les contrôlant de très près. Napoléon Ier, Napoléon III, la Troisième République ont continué ce mouvement. Alors il y en a qui ont essayé de résister pour que une certaine autonomie, voire même une indépendance, puisse toujours exister. Et je dirais même que l'ancien maire de Vénissieux, André Gérin, était au fond tout à fait dans cette optique. Je relisais un de ses livres consacré aux Minguettes, et dans lequel on voit très bien qu'il s'efforce de défendre l'autonomie du territoire vénitien. Et d'ailleurs, ce sera intéressant de savoir comment lui a vécu toute cette période, d'autant plus que il a été également vice-président de la communauté urbaine de Lyon, c'est-à-dire qu'il était à la jonction désir vénitien de renforcer les pouvoirs, l'autonomie, etc., et puis des désirs de la métropole lyonnaise, qui sous Francisque, sous Gérard Collomb, mais aussi auparavant déjà Raymond Barre, Francisque Collomb et tout ça, eh bien visait au contraire à diminuer les pouvoirs locaux, parce que en France on adore vituperer contre le pouvoir central parisien, mais on aime bien en même temps reproduire une centralisation locale. Ça c'est l'esprit français. Alors on pourrait faire une histoire des déclarations politiques depuis 100 ans, depuis 200 ans, où on verrait tous les hommes politiques dire « oui, il faut décentraliser, il faut déconcentrer, etc. » Mais la réalité, c'est que on essaye toujours de renforcer le centre. Alors le centre, c'est Paris, mais le centre aussi, c'est Lyon. Donc Vénissieux a eu à se positionner par rapport à Lyon. Et justement, donc, après le rattachement de Vénissieux au département du Rhône, quelques années après, en 87, Saint-Fons se sépare de Vénissieux, et c'est un peu la dégringolade. Vénissieux perd 50% de ses habitants, ses intérêts industriels. Qu'est-ce qui la sauve? Comment elle arrive à revivre? Il va lui falloir un certain temps. Il va lui falloir un certain temps, parce que, à cette époque, donc, la population de Vénissieux, lorsque Saint-Fons en est détaché en 1888, la population descend de 6 000 habitants à 3 500.
Hein, c'est une perte, on va dire, de 40-45%. Bien. Il va falloir attendre un développement des industries sur le territoire vénitien, parce que, sauf erreur de ma part, l'industrialisation du moment profite surtout à Saint-Fons. Et puis Vénissieux, ce sera dans un second temps, grâce notamment à Berliet, hein, que nous avons évoqué tout à l'heure. Mais ça va être lent, hein, ça va être lent, hein, parce que en 1921, bon, Vénissieux a 8000 habitants. 8000 habitants. Bon, ça veut dire qu'elle est remontée quand même en 40 ans, hein, de 3005 à 8000. Et puis alors à partir de là, il va y avoir des coups d'accélérateur, puisque 10 ans plus tard, en 1931, il y a 16 000 habitants. 16 000 habitants à Vénissieux. Alors c'est la grande époque, hein, du développement autour de Berliet, et bien sûr d'autres également, avec une forte immigration, très très forte immigration, hein, puisqu'on a déjà à ce moment-là pratiquement la moitié de la population qui est d'origine étrangère. Dans l'entre-deux-guerres. Hein. Alors moi, je voulais savoir une chose, parce qu'on parle beaucoup d'immigration et tout, mais quelles étaient les conditions de vie, en fait, de ces gens à Vénissieux? Est-ce que c'était comme à Lyon, dans les bidonvilles, ou comment ça se passait? Il n'y avait pas de différence fondamentale. Et puis alors, bon, le terme de bidonville, personnellement, je le réserverais plutôt pour la période d'après la Seconde Guerre mondiale, hein, quand on va avoir, avec la reconstruction de la France, un nouveau développement industriel, on va avoir besoin d'énormément de main-d'œuvre et on va entasser les gens dans les bidonvilles. La période auparavant, on va dire que ce sont des habitations qui sont pas merveilleuses, qui sont souvent insalubres, mais qui ressortent plutôt d'un habitat traditionnel, pas très bon, je le répète, hein, mais ça fait plutôt penser à l'habitat qui existait dans le Dauphiné, hein, dans tout le Dauphiné, avec des maisons pisées, etc., qui supportaient mal les intempéries, d'ailleurs. Et puis c'est alors après la Seconde Guerre mondiale, là on a une telle croissance qu'on va avoir des conditions de vie auxquelles les autorités de l'époque s'efforcent de répondre, et ça va être la construction des nouveaux quartiers, en particulier les Minguettes. Les Minguettes se veulent, hein, une réponse aux habitats, j'allais dire, abominables qui s'étaient développés. Et puis bon, on est à une époque où on passe 50 000, 60 000 habitants, ça n'arrête pas. Revenons à la Seconde Guerre mondiale. Donc Lyon et ses alentours deviennent le centre de la résistance. Les usines Berliet ont été la cible de nombreuses attaques et de sabotages. Comment Vénissieux se libère des troupes nazies? Il n'y a rien de particulier, je dirais, à Vénissieux par rapport aux autres lieux de la région. C'est-à-dire que il y a deux mouvements qui s'opèrent. Il y a des petits réseaux de résistance qui existent à Vénissieux comme ailleurs, et qui dit résistance dit répression de la part des forces d'occupation allemandes. Alors ça entretient une atmosphère de contestation plus ou moins armée, plus ou moins active, parce que évidemment on a toujours tendance à mettre en exergue un certain nombre de faits, hein, qui sont tout à l'honneur des divers mouvements de résistance, mais qui demeurent quand même extrêmement isolés. Et il faut bien dire que Vénissieux, hein, comme tout le reste de la région, hein, va surtout être libéré par la remontée des troupes alliées, dont les troupes françaises, hein, par la vallée du Rhône. Hein, nous sommes là au mois d'août, septembre 1944, et c'est à ce moment-là que Vénissieux, comme le reste de la région, hein, va se libérer de l'occupation allemande, c'est-à-dire que bon, les Allemands foutent le camp, tout
simplement. Parce que Lyon est libéré en le 3 septembre 44. Et Vénissieux, c'est quoi? C'est quelques jours après. Ouais, c'est alors j'ai pas une date précise, mais tout ça se passe en même temps. Hein, il faut pas oublier que nous sommes dans les semaines qui suivent ce qu'on a appelé le débarquement de Provence, hein, qui permet donc aux troupes alliées, dont les troupes françaises de Delattre, hein, de remonter le Rhône. Dans certains cas, de faire la jonction avec des groupes de résistance armée qui avaient une certaine efficacité. Et de toute façon, bon, c'est la libération de cette région de la France, hein, qui s'opère à ce moment-là. Alors cette libération, elle va avoir une conséquence précise pour Vénissieux, c'est-à-dire qu'elle va permettre de renforcer la présence du Parti communiste. Je dis renforcé parce que le Parti communiste est déjà important à Vénissieux. Vénissieux a eu un maire communiste pendant l'entre-deux-guerres. Ah, alors vous dites un maire communiste, mais c'est Vichy qui gérait la France quand même. Non, avant, dans l'entre-deux-guerres. Okay. Hein, dans les années 30, il y a eu un maire communiste. À partir de 35. Oui. C'est Rodemont, je crois, le maire de Vénissieux en 35. Oui. Et avant, il y a deux mandats de la SFIO. Et même avant, c'est même des conservateurs, voire des républicains qui sont au pouvoir à Vénissieux. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais il y a eu un maire dont je ne retrouve malheureusement plus le nom. Et puis je pense c'est pas Colvi ou Michel Colvi, comme ça. Il y a eu Louis Dupic qui a été maire et qui va retrouver son poste de maire en octobre 44, à la libération de la ville. Je dis ça pour montrer qu'il y avait déjà une implantation communiste qui était forte à Vénissieux, et qui évidemment, alors là, va se développer à partir de 1944 jusqu'à nos jours, hein, puisque Vénissieux, encore maintenant, est une des rares communes françaises et une des très rares communes de cette taille, hein, à avoir gardé une direction communiste. Et donc le PC était déjà implanté, y compris dans la municipalité, et à partir de 44, alors là... C'est les usines Berliet qui ont favorisé l'implantation du Parti communiste, avec les syndicats, notamment la CGT? Bien sûr. À l'époque, on adhère à la CGT et au Parti communiste. C'est d'ailleurs ce qu'a fait André Gérin lui-même. Hein, André Gérin, qui est un homme qui est venu de Vienne, qui à l'origine, je crois, devait être ouvrier fraiseur, qui ensuite est devenu dessinateur industriel et qui va entrer en même temps au Parti communiste et à la CGT. C'est typique. Alors après la Deuxième Guerre mondiale, donc en 44, il y a Louis Dupuy qui est maire. Et après, il va y avoir un monsieur qui s'appelle Marcel Houël. À la base, il est maçon. Et alors moi, ce que je crois qu'il crée la Secco Vive aussi. Oui. Et en fait, est-ce que Louis Pradel et Marcel Houël se rencontrent et ça fait étincelle, quoi? Ça marche ou ça marche pas? Honnêtement, je n'en sais rien. Et là, j'aimerais bien avoir le témoignage, les connaissances d'André Gérin, parce que effectivement, ces deux hommes qui exercent leur mandat à peu près en même temps, hein, puisque Marcel Houël est maire de 1962 à 1985. Hein, c'est-à-dire pendant 23 ans, hein, un tout petit peu moins qu'André Gérin par la suite. Mais bon, Houël et Colomb, bon, c'est l'époque béton, ça c'est sûr. Pradel. Oui, pardon. Bah, hein, entre bétonneurs, on doit se comprendre, non? Je pense, même s'il y avait forcément des oppositions politiques qui étaient fortes, et d'autant plus fortes que Pradel se définissait comme apolitique. Donc quand quelqu'un se définit comme apolitique, ça le met tout de suite en porte-à-faux, hein, par rapport à ceux qui ont un engagement très fort, comme c'était le cas de Marcel Houël. Justement, Pradel va mettre en place la Courlie, donc le Grand Lyon,
Et est-ce que justement, Vénitieux va avoir une place forte dans cette courlie au début, ou pas du tout? Non, non, c'est l'éternel problème déjà évoqué, c'est-à-dire que les communes de la périphérie, hein, ben les communes de la périphérie, bon, ben, restez dans votre périphérie, quoi. Hein, c'est un petit peu ça qui se développe. Et puis en même temps, je pense que Vénitieux, qui était vraiment la cité communiste par excellence, tenait pas trop à être absorbée dans un ensemble où elle perdrait son identité politique et syndicale. Alors au niveau du bâti, au niveau urbanistique, bon, il y a une concomitance, hein, qui est typique de l'époque, mais je pense pas que ce soit allé au-delà. Et maintenant, on va parler du quartier des Minguettes, qui commence à se construire dès 1963. Alors, autrefois, c'était un plateau agricole, recouvert de vignes, même de fermes. Qu'est-ce qui a poussé à ce changement vraiment radical? Alors, d'abord, je rappelle que Minguettes, c'est la déformation, hein, du nom du propriétaire qui s'appelait Minguet, hein, qui était établi là-bas, qui avait joué un rôle important. Ben, les Minguettes, mais c'est merveilleux, les Minguettes. Les Minguettes, c'est merveilleux parce que il y a de l'espace, hein, et on va donc construire. Et alors on construit comme on construit à l'époque, c'est-à-dire en hauteur avec des tours qui sont quand même assez proches les unes des autres. Et ça, c'est l'urbanisme de la France des années 60. Et c'est un urbanisme qui dépasse les personnalités de Well à Vénitieux, de Pradel à Lyon, et qui est typique de ce qui s'est fait. C'est tellement typique de ce qui s'est fait que à l'époque ça n'a pas été contesté, et que ensuite tout le monde sera d'accord, hein, pour améliorer un peu ça, hein, quitte à faire sauter quelques tours. Et est-ce que toute cette urbanisation, toutes ces constructions de bâtiments, d'habitations, est-ce que c'était une solution pour que Vénitieux soit le désengorgement immobilier de Lyon et Villeurbanne? Oui, dans la mesure où il y avait davantage d'espace à Vénitieux. Hein, parce que si nous avons auparavant insisté sur l'appartenance de Vénitieux au Dauphiné, si nous avons insisté sur l'importance des terres agricoles et viticoles, ça veut dire qu'on était à la campagne, ça veut dire qu'on avait de grands espaces, ça veut dire qu'on avait de la place. Hein, on avait de la place, et effectivement, Vénitieux a servi un peu d'exutoire, et ça a servi d'exutoire, alors d'une manière générale, mais aussi quand même d'une manière particulière, parce que là aussi, il faut rappeler Berliet. Hein, Berliet, c'était sur place. Hein, donc il y avait vraiment une adéquation, hein, entre une très grosse entreprise et puis une ville qui n'arrêtait pas de grandir. Même si Berliet, il ne faut pas l'oublier, même si Berliet recrutait ses ouvriers bien au-delà. Hein, dans les années 60, vous aviez, et c'est pareil dans les années 70, vous aviez des cars qui, tous les matins, sur le coup des 5h30, 6h du matin, allaient, mais bien plus loin que Vénitieux, hein, jusque dans la région de Saint-Jean-de-Bournay, la Côte-Saint-André. Le Nord-Isère, hein, quoi. Oui, tout le Nord-Isère, hein, jusqu'à la Côte-Saint-André, il y avait des cars Berliet, hein, qui prenaient les ouvriers et qui les ramenaient le soir. Car Berliet avait... Bon, c'était quand même une très très grande entreprise, hein, et Berliet avait besoin d'énormément d'employés. Alors il y a ceux qui étaient sur place, puis il y avait les autres qu'on allait chercher, alors qui étaient des gens qui souvent conservaient un petit peu une exploitation agricole, ou bien c'était leur femme qui faisait vivre la petite ferme, etc. Mais on a oublié l'importance de Berliet dans toute la région. Alors, à Vénitieux,
On stabilise, et on stabilise d'autant plus qu'il faut loger des gens qui, eux, n'ont pas de rapport avec la région. Hein, parce que on peut aller chercher tous les matins des ouvriers qui habitent à 50, 60 kilomètres, mais ceux qui viennent notamment d'au-delà de la Méditerranée, et ceux-là, il faut bien les loger sur place, et c'est pour eux hein, que l'on va, essentiellement pour eux, que l'on va construire ces immeubles et ces tours. Hein, puisque nous avons une immigration nord-africaine, maghrébine, hein, qui est très importante à ce moment-là, qui avait déjà commencé avant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que dans cette période de l'entre-deux-guerres, hein, quand il y a eu un doublement de la population, mais c'était encore limité, on avait déjà des Maghrébins, de même qu'on avait des Français d'Afrique du Nord, hein, c'est-à-dire des Européens d'Afrique du Nord qui... Les pieds noirs. Hein, alors à l'époque, je crois qu'on n'employait pas tellement le terme, hein, mais y en a déjà qui sont établis à Vénissieux à ce moment-là. Les recensements de l'époque le montrent très très bien. Aux côtés des Maghrébins, des Italiens, des Espagnols, des Arméniens et même des Russes, hein, puisqu'il y en a qui sont arrivés là suite à la révolution de 1917. Alors, il y a un personnage clé, vous en avez parlé, Marius Berlier. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce personnage, de ce patron ? C'est difficile de parler de Marius Berlier, mais enfin, c'est le prototype d'un grand patron qui s'est fait tout seul et qui, en même temps, est très représentatif du monde lyonnais. D'abord, par ses origines. Il est d'une famille de la Croix-Rousse. C'est un mécanicien, c'est-à-dire qu'il a commencé par travailler sur les métiers à tisser. Et de la mécanique, on va dire la mécanique Jacquard, il va passer à la mécanique automobile. C'est-à-dire, bon, cet homme était absolument un visionnaire. Hein, il met au point lui-même d'abord un certain nombre de véhicules, puis alors ensuite il va les développer, les faire développer. Ça va être quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors, on a parlé de lui tout à l'heure pendant la Première Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, bon, effectivement, il établit ce qui est la cité Berlier. Hein, sur Lyon 8e aujourd'hui et puis Vénissieux et en même temps c'est quelqu'un qui sait répondre aux opportunités du moment hein, puisque une bonne partie de ce qu'on a appelé les taxis de la Marne hein, qui montaient les soldats sur le front, on parle toujours des véhicules Renault mais il y avait beaucoup de véhicules Berlier également et Berlier va développer ça. Alors, il est aussi typiquement lyonnais dans la mesure où c'est quelqu'un qui n'accorde aucune importance au paraître. Alors ça, Berlier, c'est le contraire du matu. Hein. Et de ce côté-là, il n'a rien à voir avec la nouvelle bourgeoisie lyonnaise qui se développe qui s'est développé depuis le 19e siècle, notamment depuis l'époque du Second Empire, hein, du côté des Bretons. Notre Marius Berlier, restons cachés, vivons heureux, quoi. C'est à peu près ça. Et il travaille en silence. Il est en silence dans tous les sens du terme avec sa famille bien entendu et c'est un homme sur lequel à l'époque on a très très peu de renseignements. J'en donne un exemple et un exemple qui permet aussi de comprendre un peu l'identité lyonnaise de Berlier. Marius Berlier appartenait à une famille lyonnaise qui était membre de ce qu'on appelait la petite église. La petite église, qui était notamment établie sur la Croix-Rousse, mais aussi dans d'autres endroits de la région lyonnaise, la petite église était formée de gens qui n'avaient pas accepté le concordat passé en 1802 entre Napoléon, qui était alors que premier consul, et le pape Pie VII. Et c'est donc des gens qui s'étaient recroquevillés sur eux-mêmes.
mais qui en même temps étaient des gens réputés pour leur honnêteté et leur travail. Alors Berliet est tout à fait représentatif de ce comportement et de cette mentalité. Mais Berliet, évidemment, on disait quand même, bon, Berliet, il est à la petite église, c'est dommage. Dans les milieux catholiques, on disait, c'est dommage, quand même bien, si. Bon. Et un jour, un personnage qui a joué un rôle important dans l'histoire de Lyon, le cardinal Gerlier, qui était l'archevêque de Lyon, Gerlier lui dit, mais monsieur Berliet, ne pensez-vous pas que vous pourriez peut-être réexaminer la question de votre pleine communion Et Berliet lui coupe la parole et il dit, éminence, il y a longtemps que c'est fait. C'est-à-dire que Berliet avait réintégré l'Église catholique traditionnelle, mais sans le dire. Hein, parce que quand on est un Berliet, quand on est un Lyonnais, on ne dit pas. En fait, Berliet, il collait beaucoup à l'image de Vénitieux en tant que communiste, quoi. Oui, c'est paradoxal, mais oui, bien sûr, tout à fait. Alors là aussi, il y aurait certainement, il y a encore beaucoup à fouiller sur les rapports personnels, mais les rapports de l'entreprise aussi, avec la CGT et le Parti communiste, puisque bon, Berliet a quand même été mis sous séquestre et a failli être nationalisé comme Renault, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Puis finalement, ça ne s'est pas passé. Eh ben, on va s'arrêter là, monsieur Thévenot. En tout cas, c'était très passionnant de passer cette heure avec vous. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. J'étais heureux d'apporter quelques connaissances pour mieux comprendre cette ville de Vénitieux qui n'est pas sortie de rien et qui est certainement beaucoup plus composite et diverses qu'on ne le pense, non seulement maintenant, mais également auparavant. Alors, pour nos auditeurs, vous pourrez retrouver cette émission sur Radio Pluriel. Très belle journée. Merci.